Vu, subhanallah, comment le paysage il est magnifique. À quoi tu penses quand tu vois tout ça? Ben, moi je suis triste. Mais pourquoi tu es triste? Parce que les gens ils pensent qu'Allah Akbar est un cri de guerre, alors que c'est juste une parole de foi et d'amour. Créateur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, il donne la vie, il la reprend. C'est de lui que tout dépend. Gloire à Dieu, le Seigneur des mondes, pour ses bienfaits qui nous inondent. Ses faveurs sont indénombrables et sa grandeur est immensurable. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est clément jusqu'à l'infini. Allahu Akbar. Nos richesses proviennent de lui. Allahu Akbar. Il dépasse tout ce qu'on imagine. Allahu Akbar. Gloire à Dieu, Rabbul Alamin. Seul connaisseur de l'invisible, seul détenteur de l'inaccessible, seul à connaître tous nos secrets, seul à qui on ne peut rien cacher. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Quand t'observes autour de toi, tu ressens la présence d'Allah. Difficile de ne pas y croire, rien ne se fait par hasard. Croire en Dieu n'est pas un crime, mais l'adorer nous sublime. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.